Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une astuce concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je vous propose de trouver une solution pour recycler du poulet rôti. Et pour cette recette, je vais avoir besoin d'œufs, de cornflakes non sucrés, de farine. L'objectif pour moi, c'est de vous faire un petit beignet de poulet très croustillant. Aujourd'hui, on trouve ce genre de produit dans des fast-foods connus. Pourquoi ne pas le faire directement à la maison? Je viens de détailler le poulet en cubes. À présent, on va réaliser une petite chapelure à base de cornflakes. Petite astuce pour éviter d'en mettre un petit peu partout dans votre cuisine, c'est de déposer ces cornflakes à l'intérieur d'un sac congélation. Pour réaliser la panure, j'ai besoin de 2 œufs qu'on va juste battre en omelette. On y met les épices que l'on souhaite. Aujourd'hui, un petit peu de poivre, un petit peu de paprika, une petite pincée de sel et pour rendre l'ensemble encore un tout petit peu plus croustillant, un tout petit peu d'huile d'olive. Et je bats l'ensemble en omelette. Donc je prends mon morceau de poulet, je vais le plonger et le tourner à la fourchette dans l'œuf, légèrement égoutter l'ensemble, le passer ensuite dans la farine. Alors le côté pratique de ces petites boîtes, c'est qu'on peut légèrement secouer pour bien enrober notre petit morceau de poulet de farine. Ensuite, je le repasse dans l'œuf, je l'enrobe à nouveau de ce mélange œuf et épices. Et je le plonge dans mes cornflakes, je le tourne à la fourchette. Pour avoir un côté vraiment très croustillant, c'est une opération qu'on réalise 2 fois. Et ensuite, je dépose ce petit cornflakes très croustillant sur une plaque. Voilà. Et je vais réaliser l'opération 3 fois de suite pour les morceaux qu'il me reste. Je viens de terminer la réalisation des 4 nuggets croustillants. Dernière étape de la recette, la mise en cuisson. On va partir sur 10 minutes à 180 degrés pour pouvoir les déguster de façon chaude et avoir ce côté vraiment croquant qui va ressortir. Donc je vous retrouve juste après pour déguster ce plat. À présent, la recette est terminée. Pour la déguster, je vous propose un petit ketchup maison qui fera l'objet d'une prochaine astuce. Bonne dégustation, à bientôt.